Et bienvenue dans ce nouveau numéro, j'espère que tout va bien. Mais moi là, ça va pas. Parce que je me suis retenu depuis tous ces temps, je voulais pas vraiment m'exprimer. Mais là, assez. Aujourd'hui, je vais parler de Diego Koulibaly. Son nom, c'est Koulibaly. Ouais, pour ceux qui ne savent pas, c'est Koulibaly. Le mec, en tout cas, je voulais pas m'exprimer. Parce que, en fait, on a eu des problèmes et je voulais pas vraiment m'exprimer. Mais le mec, il m'a menacé. Il est venu à Châtelet avec ses gars pour me menacer. Et là, ça m'a vénère. Des gens qui me connaissent, ils savent bien que j'ai réalisé des vidéos avec lui, on a collaboré ensemble. Mais si on n'est plus ensemble, c'est parce qu'il y a eu des problèmes que je ne voulais même pas m'exprimer. Mais là, c'est un avertissement. De un, Diego, on ne se parle plus. Ne parle plus de moi. Ne parle plus de moi quand je ne suis pas là parce que moi, je ne parle plus de toi. Si tu continues de parler de moi, j'ai ferai une story time, ça va être lourd. Et tu es conscient. Ça va être très, très, très lourd, je dis bien. Là, cette vidéo, c'est un avertissement. Ne parle pas de moi. Laisse-moi tranquille. Parce que si tu continues, je vais expliquer la raison de ma séparation avec toi. J'ai dit, je vais expliquer la raison de ma séparation avec toi si tu continues. Arrête ton arrogance, ton orgueil. T'es un youtubeur. Mais ce qui est bizarre, t'as des problèmes avec beaucoup de personnes. C'est pas normal, presque tous les youtubeurs sont contre toi. En tout cas, regarde-toi mon gars, analyse ta vie. Quand tout le monde est contre toi, c'est pas normal. En tout cas, essaie en paix de voir ton caractère, ton comportement. La raison de notre séparation, il y a des gens qui se posent des questions. J'ai pas envie de les dire, mais si ils continuent, je vais bien expliquer. C'est à cause de l'audio. L'audio qui a été publié sur les réseaux sociaux. Ouais. L'audio qui a été publié, les gens qui sont au courant, il a parlé contre les Arabes. Moi, je vais expliquer l'histoire, comment ça a commencé. Ouais. Je vais pas continuer. Là, je l'ai juste averti. Et c'est un mec qui est là, il plage aussi les thèmes. Moi, je suis conscient. Moi, j'ai déjà plagié d'autres youtubeurs. Bien sûr, je me suis déjà inspiré des autres youtubeurs. Comme lui également, oui, j'ai déjà réalisé 3 ou 4 thèmes comme ça, des vidéos qu'il a réalisées. C'est aussi comme lui, il s'est aussi inspiré de mes thèmes. On peut regarder, il a à peu près 4-5 thèmes, mes thèmes en fait que j'ai déjà réalisés et c'est sur sa chaîne. Mais il n'assume pas, moi j'assume, j'ai déjà plagié ses vidéos. Mais vu qu'il est orgueilleux, il n'assume pas. Le mec Dimitri, un mec, un maghrébin qui fait des vidéos souvent avec lui, le mec Dimitri, il n'est plus ensemble avec Dimitri. Posez-vous des questions, pourquoi ? Là, je ne vais pas vous dire tout, mais là, c'est un avertissement. Arrête. Sinon, je vais expliquer comment tu es un dragueur, tu es un harceleur, tu es un orgueilleux, tu es un mec qui ne soutient pas les gens. Parce que les gens, ils vont dire, oh non, Diego Mauricio, t'as soutenu. Moi, il m'a soutenu. Il ne faut pas dire qu'il m'a soutenu. Parce que si vous regardez ces vidéos, excepté les vidéos des Congolais, dans quelle vidéo Diego Mauricio il parle des dégâts, mais que non, allez voir sa chaîne. À part la vidéo des Congolais, d'ailleurs la vidéo des Congolais c'est mon thème. La vidéo des Congolais s'est inspirée de moi. Et à partir de ça, le thème des Maghrébins c'est arrivé. Que pensez-vous des Maghrébins? C'est Dimitri qui est en fait, c'est moi et Dimitri qui se sont inspirés de ces thèmes des Maghrébins. C'était juste après le thème des Congolais. Il y a plein de thèmes qu'il réalise qui a été inspiré par Dimitri. Même moi également, parce que j'ai tourné avec lui, j'ai participé. Donc mon gars, arrête. Là, je vous dis à très bientôt. On va se retrouver s'il y a des nouvelles. Mais à une condition, si seulement il continue, là on va se retrouver. Et la story time que je ferai, ce sera avec des captures. Là, j'ai même pas fait le montage, il n'y a pas le montage. Mais le story time que je ferai, s'il continue, ça va bouger le monde. J'ai dit bien, ça va bouger le monde. Merci.